Kuljo, c'est bon. El Matador, c'est bon. Rasta, c'est bon. Nord, oh. Un avertissement d'adaptation à l'altitude. Pour Chex et Norcho. Comment ça se passe, professeur? C'est encore pire que ce que je croyais, coach. Jetez un œil à ceci. Eh bien, on dirait que les vacances sont terminées. On a du pain sur la planche. Fini les vacances. Vous rentrez à Strike Island dès demain. Coach. Oh. Ramenez-vous, les gars. Faut qu'on se tire. Super Strikers. Fabrique là-dedans. Vous êtes dans des cabines de simulation d'altitude. Elles nous aident à analyser vos capacités d'ajustement en différentes altitudes. Ouais, pourquoi? Parce que notre prochain adversaire sont les tanks de fer. Et on joue chez eux. Ils sont invaincus dans leur Fortress Stadium. Invaincus? Et ils ont l'habitude de jouer à de telles altitudes. Mais je croyais qu'on pouvait pas aller plus haut qu'à Super League. Non. Regardez, ce graphique vous explique tout. Ok, maintenant je comprends. Ouais, le Fortress Stadium est le stade le plus haut du monde. Il est bien plus haut que Strike Island. Tout à fait. J'ai l'impression d'avoir mangé 10 cheeseburgers avant de courir. Mec, je mange toujours 10 cheeseburgers avant mon footing. Mais je me suis jamais senti aussi mal. Tout le monde réagit différemment en altitude. Quand vous êtes à une telle hauteur, il y a moins d'oxygène dans l'air. Votre corps a besoin d'oxygène pour fonctionner. Si vous n'êtes pas acclimaté à l'altitude, votre corps ne peut pas fonctionner comme d'habitude. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On a mal quelque part? Vous avez la tête qui tourne, votre vision se brouille et vous perdez votre coordination. Ah, je ressens tout ça à chaque fois que je regarde une jolie femme. Pour toutes ces raisons, vous devez vous préparer à jouer en altitude. Aucune équipe n'a jamais battu les tanks de fer sur leur terrain. Les 15 dernières minutes du match seront les plus dures. Pour vous tous. On retourne dans la cabine? Vous retournez dans la cabine. Oh. Chef! Permission de me tenir au repos, chef! Non! Être prêt au combat, c'est vital! Repos. Nous devons battre les Super Strikers à leur propre jeu, chef. Nous devons développer les mêmes machines qu'eux. Celles qu'on a vues dans l'émission Football 360 à la... N'importe quoi! C'est nous qui avons l'avantage. Rappelez-vous que nous vivons à cette altitude. Si nous continuons notre super intense programme d'entraînement, ils ne constitueront jamais une menace pour les tanks dans notre forteresse. Chef, oui, chef. Les Super Strikers vont s'effondrer dans les 15 dernières minutes, comme tout le monde. C'est ce que je craignais, coach. Norcho et Chex ne sont pas encore prêts pour jouer à cette altitude. Si ces deux-là ne sont pas conditionnés comme il faut, les tanks vont se promener pour accéder à notre but. Je crois que ce que nous avons concocté devrait suffire à leur préparation. Je n'aime pas le regard que nous lance le coach. Oh oh. Laissez-moi deviner. On passe directement à une autre machine. Très bien, Chex. Allez vous habiller tous les deux et dirigez-vous vers le jet des Strikers. Et sur quoi avez-vous axé votre préparation pour affronter les Super Strikers, coach Van Pushup? Par chance, la nature est de notre côté, voyez-vous. Je ne vois pas comment ils pourraient résister aux tanks sur tout un match, en s'entraînant comme des fillettes.
Invaincus à la maison, ils n'ont jamais encaissé de but dans les 15 dernières minutes. Les... Est-ce que la balise GPS fonctionne? Comme une horloge. Je comprends toujours pas à quoi ça rime tout ça. Ça viendra, mon frère. Mec, le coach a rogné sur les frais de déplacement. Notre hôtel, c'est une tente. Et c'est parti. Il est temps d'enfiler ceci. Des parachutes. Elle est bien bonne, Rasta. Vous pouvez sauter sans si vous voulez, mais j'ai entendu dire que ça rendait l'atterrissage plutôt inconfortable. Y a pas d'aéroport non plus? Le coach va trop loin dans les restrictions budgétaires. Vous n'êtes pas obligé de sauter si vous ne voulez pas. C'est vrai? Ouvre la toile à 3! 1, 2, 3! Super! Ils en sont où? Ils ont tous atterri en un seul morceau. Alors c'est ça le plan? Nous larguer au milieu de nulle part? On est à environ un jour de marche de notre point de rendez-vous. Il faut qu'on arrive tout en haut, avant demain. Mec, mais c'est pas possible. Mais si, ça l'est. On a même un de ces jouets pour nous montrer le chemin. Alors mettons-nous en route. Chef, nous avons des raisons de penser que les sous-post-trackers s'entraînent quelque part dans les montagnes d'Europe. Vous croyez? Ouais. Appelez-moi Hubert immédiatement. Dites-lui que nous avons un problème de sécurité. Allez! Attends! Il me faut juste une petite pause. Je suis d'accord. Mais il est passé où l'oxygène? Je le trouve pas non plus. Tout va bien, mes frères. Il faut parfois du temps pour s'adapter. Alors, je peux rien faire de plus? Relax, man. Et si on dressait le camp pour la nuit? C'est la meilleure idée que j'ai entendue aujourd'hui. Demain, à la première heure, on grimpe jusqu'au sommet pour retrouver les Super Strikers sur la piste d'atterrissage en contrebas. C'est le problème quand on monte quelque part. Il faut redescendre après. Pas si tu veux gagner la Super League, man. Faut continuer de monter. Dormez bien, les Super Strikers. Ok, je vais m'en prendre 5 portions. Des pepperoni et saucisses avec des marshmallows, s'il vous plaît. Et du bacon aussi. Et des... se reverra. Ou peut-être que non. Oh, coach, je les ai perdus. Quoi? Il était juste là hier soir. Alors il est passé où? Les gars, il y a des traces de pas et de ski. Oh, dis donc, elles sont sacrément grandes ces traces. C'est du sabotage. Quelqu'un ne veut pas qu'on se présente pour le match. Ah. Oh. Toujours plus loin, toujours plus haut. C'est clair. Toujours plus loin, toujours plus haut, Captain. Mais où
peuvent-ils bien être? Il ne reste plus beaucoup de temps avant le match. Je suis sûr qu'ils ne sont plus très loin, qu'ils arrivent. Et si ce n'est pas le cas? Si ce n'est pas le cas, il nous reste ceci. On y est presque, les gars! Oh, je sais pas si je peux y arriver. Si tu as besoin d'une bonne raison pour y arriver, Shakes, mon frère, dis-toi que repartir en arrière serait encore plus dur. Maintenant, il faut qu'on retrouve le jet des Strikers. Avant qu'il ne décolle, si possible. Il nous faut un signal, mec. Comment tu as fait ça? Tu crois que c'est le coach? Je crois qu'il y a de fortes chances, man. On a intérêt à aller là-bas vite fait. Tu as une idée? C'est l'éclat total! Ces vieux morceaux d'écorce d'arbre font de super planches de surf, les gars! Ça marche! Dépêchons-nous! On a un avion à prendre! S'ils ne se pointent pas rapidement, il nous faudra partir sans eux. Je ne peux plus attendre plus longtemps! Je vais braver les éléments et secourir mes amis moi-même! Bonne chance, mes amis. J'aurais essayé. Jamais je n'arrêterai de vous chercher, mes amis. C'est quoi, ça? Quoi donc? Je le savais! Je les ai trouvés! Est-ce que je devrais me faire du souci? Les 15 dernières minutes sont toujours difficiles pour l'équipe visiteuse ici. Grosse erreur. Oui. C'est jour de match aujourd'hui et la forteresse est en feu! Vous voulez dire qu'elle est gelée? Les Super Strikers seront-ils les premiers à vaincre les tanks chez eux? S'ils tiennent jusqu'au... et pendant les 15 dernières minutes. Je dois l'admettre, même moi je trouve cet endroit vraiment cool! Mais c'est rien ça! Vu la température de ces montagnes, ça ressemble à une journée à la plage. Shakes, North et Rasta. Mais je... le GPS. Les Super Strikers sont en forme. Shakes. Les tanks ont bien failli prendre un but. Futé, ces Super Strikers. Vous vous êtes bien préparé. Uber! Mais quelle est donc cette tactique? Hey! Vous voulez pas jouer un peu au football maintenant? Et voilà, c'est la mi-temps. Le score est toujours nul et vierge. J'ai des doutes, Mac. Je ne vois pas l'équipe des tanks gagner en refusant de jouer comme ils le font. Vous avez fait de l'excellent travail en fatiguant les Super Strikers comme ça. Chef, oui, chef.
Ils n'ont pas la moindre chance de marquer en seconde mi-temps. Shakes, North et Rasta ont eu tort de débuter le match. Les 15 dernières minutes vont vraiment être un enfer pour eux. Chef, oui, chef. On passe aux choses sérieuses. Les tanks font monter la pression. Tout à fait, Mac. Le match va enfin devenir plus intéressant. North Shaw peut-il l'arrêter? Pas cette fois. But! Les tanks de fer ouvrent la marque. Ils mènent par 1-0. Comment les Super Strikers pourraient-ils marquer quand leur avant-centre donne l'impression d'avoir couru un marathon? Je sais pas. Si je peux y arriver, Captain. Tu as tenu jusqu'ici, Shakesman. Tu veux vraiment abandonner maintenant? Les Super Strikers semblent trouver leur second souffle. Ils font bien circuler le ballon. Assez bien pour marquer. But! Contre toute attente, les Super Strikers ont effacé la malédiction du dernier quart d'heure. Mais peuvent-ils pousser jusqu'à marquer le but de la victoire? Ou vont-ils succomber à la pression des temps? Il y a mille et une façons de vaincre l'altitude. Ouais, on a compris ce qu'il fallait faire dans la montagne. Le truc, c'est de conserver son énergie. Tu gères tes réserves aussi efficacement que possible. Allez, on peut battre ces balourds-là tout de suite. Mais seulement si vous pouvez encore tenir debout tous les deux. Ouais, respire. Ce garçon semble flotter en l'air. On a parlé trop vite. Je suis trop fatigué. Trouve ta motivation, Shakes. Les traces de pas. C'était toi. C'était donc toi qui as volé notre GPS. Apparemment, ça n'a pas suffi. À moi, ça me suffit, mon frère. Quel dribble! J'ai marqué? Shakes, tu as réussi. Regarde le ralenti. Wow, quelle finale! Les tanks de fer ont perdu à domicile pour la première fois de leur histoire. Un jour à marquer d'une pierre blanche. Je crois qu'après tout, vous aviez carrément raison, coach. Shakes, mon frère, on l'a fait, mec. Vous allez me faire sans pompe. Shakes, tu ne peux pas battre les tanks sur leur propre terrain. On vient juste de le faire, mec. C'est pas juste! Non, mais c'est pas vrai, quel gamin! Arrête! Sois cool, mon frère! Yeah! On peut dire que ça jette un froid, mon frère! Ça est ridicule. Comment cet entraînement va-t-il rendre Invincible United encore plus... Invincible?
La résistance, c'est la clé. Les tests montrent que cela augmente la force et la vitesse en conditions de match de 27%. La seule chose que ça améliore, c'est leur envie de dormir d'environ 1000%. Je veux que nous dépassions les Super Strikers désormais. Cet entraînement en résistance est futile. On se retrouve en direct de Strikerland. Les Super Strikers affrontent le club Palmentieri tout de suite après ces quelques messages. Yo, c'est moi, Cool Joe. Vous vous demandez comment ça fait d'être à ma place? Vous le serez en essayant ma nouvelle ligne de basket. Vous les trouverez bientôt chez votre détaillant habituel. Soul Power, bébé. La résistance, le jeu, voilà la réponse. Il faut trouver un moyen de museler cette force dont parle Cool Joe. Avant le prochain match des Strikers. C'est jour de match, Strikerland. Les Super Strikers affrontent le club Palmentieri. Je suis prêt pour un peu d'action avec mon écharpe de la Super League. Qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai dit, je suis prêt pour un peu d'action avec mon écharpe de la Super League, Brenda. Elles sont vraiment belles, Cool Joe. Le bloc peut en essayer une paire ? J'ai une paire à sa taille, mon frère. Hey, et si tout le monde portait mes chaussures pour ce match ? Ça aiderait vraiment pour le coup d'envoi de cette nouvelle ligne. Pas question. El Matador ne porte que ses propres chaussures. Allez, El Matador, donne un coup de main à un frangin. Et si je te proposais de jouer ma musique préférée dans ton club pendant une semaine ? Ah, bon, marché conclu. Oh, tu violes les règles, mec. Couvre-moi ça tout de suite. Je ne pensais pas que les Strikers puissent jouer aussi bien. Leur timing a été impeccable aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord. J'ai l'impression de regarder une chorégraphie où les Super Strikers sont parfaitement synchrons. Dancing Rasta, votre équipe n'a jamais aussi bien joué. Qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui ? C'est notre timing, madame. On est tous réglés comme des horloges. On a aussi reçu un coup de main des nouvelles pompes de Cool Joe. Shakes, ça fait pas des années que vous portez ces chaussures ? Eh bien, en fait, je... À la lecture de la performance réalisée aujourd'hui, les nouvelles chaussures de Cool Joe font vraiment la différence. Les Super Strikers doivent encore disputer deux matchs. Colossus et Cosmos, attention. On peut à peine sentir la différence de poids entre les deux chaussures. On a utilisé une doublure en alliage de plomb qui absorbe l'humidité. Au cours de leurs deux prochains matchs, les Strikers vont jouer dans des conditions humides. Les chaussures vont progressivement s'alourdir à raison de 600%. Est-ce que ça va marcher ? Plus ce sera humide, mieux ce sera. Et maintenant, on substitue ces chaussures aux Soul Powers de Cool Joe. Votre timing doit être parfait, quelles que soient les conditions. Ce parcours d'obstacles glissants va vous aider à vous affûter. Pas mal du tout. Ça pourrait marcher en match. Ouais, man. Si on joue cette action en match, je me place à cet endroit. Essayons de le refaire. Qu'est-ce que le boss fait ici ? Cool, Joe. Hein ? Depuis le match d'hier, tout le monde veut tes nouvelles chaussures. On pourrait se faire un paquet de fric avec ça. J'ai décidé que l'équipe porterait ses chaussures jusqu'à la fin de la saison. C'est trop génial, mec ! Ah, voilà, ça, c'est parlé, patron ! J'ai programmé un lancement officiel. Je veux que vous soyez tous là. Bienvenue chez Cool Joe's. Billet, s'il vous plaît.
Livraison pour Cool Joe. Ouais. Allez-y, c'est par là. C'est bon, gardez vos commentaires. Où sont ces chaussures? Je veux les voir. Elles arrivent. Je vous présente... les Soul Power par Cool Joe. Cool Joe, nous avons tous vu à quel point vous avez bien joué hier avec vos nouvelles chaussures. Où se situe la différence? Que ce soit sur une piste de danse ou sur un terrain, une chaussure doit mettre en valeur votre style. Le timing des Super Strikers est parfait. C'est notre arme fatale. Et ces chaussures sont conçues pour la mettre en valeur. Et elles sont garanties contre les mauvaises odeurs, comme peut en attester El Matador. Oh. Vas-y doucement avec les mauvaises odeurs, Shakes. El Matador, même vous, vous allez porter ces chaussures pour le reste de la saison? Oh ouais, maintenant ces chaussures seront encore plus populaires. Si je les porte, elles seront en super vogue, non? Est-ce que c'est le moment de changer? Vos deux prochains matchs sont contre Colossus et Orion. Ce sont deux grosses équipes. Hé hey, hé, on n'est pas des femmelettes. Et puis maintenant, on a les Soul Power, hein, Cool Joe? Cool Joe? Hein? Oh ouais, t'as tout compris, bébé. Allez, Shex, donne tout ce que t'as. Ah, Spence a dit, aucune chance que tu marques un but. Tu vas jouer comme ça aujourd'hui contre Colossus, Shex? À chaque fois que j'en aurai l'occasion, frérot. Oh. Super frappe, mec. C'est la passe qui a tout déclenché. Le timing était parfait. Hé, hey, tu crois que tu pourrais m'apprendre un ou deux trucs? Désolé, gamin. Je dois donner quelques leçons à Colossus. Mais tiens, elles m'ont aidé à arriver où je suis. Peut-être qu'elles t'aideront à toi aussi. Wouah! T'es sérieux, Chase? On se voit en Super League. Wouah! Merci! T'es sûr de vouloir lui donner tes chaussures, mon frère? J'en ai plus besoin, Spence. Les chaussures de Cool Joe sont géniales. D'accord. Du moment que tu ne jettes pas tout ce qui fait de toi, Shakes. Shakes? T'inquiète pas, mec. Si je vais trop loin, je sais que tu me ramèneras à la réalité. On se retrouve à Strike Island? Je serai à ma place habituelle. Jour de match à Strike Island. Les Super Strikers sont en super forme. Et ça va sûrement continuer ce soir. Oh, je crois que oui, Brenda. Quoi encore? Je porte le nouveau protège-dents officiel de la Super League. C'est vous dire à quel point j'aime ce sport. Hé hey. Vous savez où je peux trouver les gants de boxe officiels de la Super League? Allons-y! Voilà une image tout à fait inattendue. Un joueur du Colossus qui bat Dancing Rasta à la course. C'est bien la première fois que je vois ça d'ailleurs. Persus brûle la politesse au bloc devant les cages et marque le premier but du match. Cela fait bien longtemps qu'on n'avait pas vu les Strikers jouer aussi mal. Mac, quelque chose à ajouter? Oh, Big Bo n'a rien pu faire pour l'arrêter. Merci beaucoup. C'est comme si les Strikers ne jouaient pas tous dans le même match. Ils ont toujours un temps de retard. Je ne comprends pas ce qui se passe, Brenda. On dirait que les Super Strikers tentent vraiment de corriger le tir. Ah,
Je ne sais pas ce que les strikeuses ont essayé de faire là, mais ce n'était pas très concluant. Bizarre, ça marchait à l'entraînement. Match est plié. Colossus joue très physique d'habitude, mais ils n'en ont pas eu besoin aujourd'hui. Tout ça, c'est de ta faute. J'ai l'impression de patiner dans la semoule. Aujourd'hui, je ne joue pas comme un tigre. Je joue comme une limace. Yo, boss! Comment avez-vous pu négliger votre forme à ce point? Vous essayez de saboter les ventes des chaussures de Cool Joe? Regardez les chiffres de vente. Tout ça, c'est parce que vous gagnez avec elles. Si vous commencez à perdre, vous savez ce qui va se passer. C'est à cause de ces maudites chaussures qu'on perd. Ouais, on dirait qu'elles sont super lourdes. Méga lourdes. Même Block trouve qu'elles le ralentissent. Si on compare les deux, elles pèsent exactement le même poids. Je crois que vous vous cherchez des excuses pour mal jouer. Ce qu'il faut, c'est travailler plus dur sur le timing à l'entraînement. Et on garde les chaussures de Cool Joe. Et donc, après leur défaite d'aujourd'hui, les Super Strikeuses descendent au classement. Et vous pouvez être sûr que le club Orion, leur prochain adversaire, ne va pas les aider. La météo annonce de la pluie pour le match, ce qui va favoriser le style... La pluie! J'aurais jamais cru que j'aimerais autant ce mot. Ces chaussures vont littéralement se gorger d'eau et plomber les espoirs des Super Strikers. Les chaussures de Cool Joe font partir les Strikers du mauvais pied contre Colossus. Les nouvelles chaussures battent les fesses des Super Strikers en Super League. Oh, je veux pas voir ça. Désolé, Cool Joe, mais j'ai pas confiance en ces nouvelles chaussures. Je vais reprendre mes anciennes pompes. Oh, que j'ai donné à quelqu'un. Je me suis pas senti aussi mal depuis le jour où j'ai renversé du chocolat chaud sur mon disque préféré, mec. Tout ça, c'est ma faute. Ah ah! Je pensais que les chaussures de Cool Joe t'avaient donné deux pieds gauches, Shakes. Les conditions climatiques vont affecter les deux équipes, mais comme les Orions aiment garder le ballon en l'air, ils auront l'avantage. Oh, vous avez raison, Brenda, hein, ils auront l'avantage. Oh, quoi encore? C'est le chewing-gum officiel de la Super League. Bon, on pouvait penser que ces conditions allaient ralentir les deux équipes, mais les Super Strikers font vraiment pitié. Il est difficile de dire si c'est le temps humide ou autre chose, mais encore une fois, les Super Strikers semblent avoir perdu leur timing. Je ne crois pas qu'ils soient en mesure de gagner ce match en jouant comme ça. Si vous avez dit ce que je crois, vous ne pouviez pas mieux dire. Les Orions volent au-dessus du sol comme des fantômes, tandis que les Super Strikeuses semblent scotchés à la pelouse. Mon plan fonctionne à merveille. L'invincible United sera bientôt au top et les Super Strikers seront dans les... Oups. Il reste 10 minutes en première mi-temps. Et à mon avis, ce n'est qu'une question de temps avant qu'Orion ne double la mise. Je la capture, je la caresse, je frappe en rupture et je fais des prouesses. Ah. Oh. Il y a vraiment un truc qui va pas. Il est temps de changer quelque chose. Hein? Shex n'est pas en train de te dire quelque chose? 3 mots. Non, un peu plus. Appelle le gamin à qui j'ai donné mes... J'ai compris. Spenza, passe à l'action. On dirait que Shakes préfère jouer pieds nus. Et ce, en plein milieu du match. Il y a au moins un strikeuse qui a retrouvé son timing tandis que cette première mi-temps se termine. Pour clore cette mi-temps. Et à voir la façon dont les Strikers jouent aujourd'hui, ce petit but d'avance pourrait suffire. Allez, mon frère.
Tu plaisantes? Shake me les a donnés, mec. T'étais là, tu l'as vu? Ouais, c'est vrai, il était là. C'est vrai, mais bon, je te les ai changés. Je t'offre une paire des nouvelles Soul Power The Cool Joe en échange des vieilles pompes de Shakes. Qu'est-ce que t'en dis? T'es fou, tu sais ça? Prends-les! Les Soul Power, c'est les meilleures chaussures de foot de tous les temps. Ouais, prends-les, vas-y. Oh, mon gars! Hey, reviens un peu ici! Shakes a mieux joué sans ses chaussures. Peut-être qu'on devrait tous faire pareil. Et finir avec les orteils en bouillie et tout déformé? Ah ça non! Il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond avec ces... Spenza! Wouhou! Salut mes vieilles copines! Shakes, tu crois vraiment que ce sont ces chaussures qui nous jouent des tours? Mais en fait... c'est bien un détecteur de métaux, pas vrai? Oui, monsieur. Et il détecte du métal dans mes chaussures. C'est impossible, mec. Bloc! Oh! Wow. Une fine couche de plomb. Pas étonnant que vous soyez aussi lent. Mais comment se fait-il que le métal s'alourdisse encore et encore? Ouais, moi je sais. Le métal est poreux et il absorbe puis rejette l'humidité pendant que le... J'ai jamais été fan de heavy metal. Maintenant, on sait ce qui plombe nos performances, non? Vous avez compris? Vous avez compris? Quelqu'un a visiblement échangé nos chaussures entre le premier match et celui contre Colossus. Ça alors, je me demande bien qui c'est. Bon, et maintenant? On est toujours mené 1-0. Comment on va faire? Encore cette main, hein? Quelqu'un a décidé pour nous. Les Super Strikers sont de retour, avec des chaussures différentes. Quoi? Les Strikers ont retrouvé ce qui leur faisait défaut. Voilà une manœuvre parfaitement exécutée. Les Strikers prennent maintenant le pas sur Orion. Ah! Le temps s'écoule rapidement, mais les Strikers ont le contrôle. Arriveront-ils à gagner? La dernière fois qu'on a vu ce signal, cela s'est très mal passé pour les Super Strikers. Shakes, après cette première mi-temps ratée, comment avez-vous inversé la tendance? C'est notre nouvelle technique, la résistance. Alors, on débute avec des chaussures plombées et quand on les enlève, on a l'impression de voler. C'était une idée du coach. C'est un génie. Je crois qu'ils ont inversé la tendance contre nous par un facteur de 98%. Dois-je modifier vos réglages pour le... Je crois que je vais faire sortir 100% de ma petite personne. Celles-ci ne présentent pas la moindre trace de métal. Je crois que les seules chaussures qui ont été trafiquées sont celles qu'on portait pendant le match. Excellent. Finalement, les ventes de ces chaussures crèvent le plafond. Ce scandale s'est révélé être la meilleure campagne de pub dont nous pouvions rêver. Ben, du moment que je peux recommencer à porter mes anciennes chaussures, boss. À ce sujet, où est cette vieille chaussure toute dégrillée? On pourrait la vendre aux enchères sur Internet. Le match d'aujourd'hui est très disputé. Et en dépit d'une lutte acharnée, aucune des deux équipes n'a marqué. Pour l'instant. Cela pourrait changer. Faute de la part d'Hydra sur El Matador. Et l'histoire nous a appris qu'il ne faut pas laisser un coup de pied arrêter El Matador, à moins de vouloir donner l'avantage aux Super Strikers. C'est bien parti et ça finit au fond des filets. Oui.
Matador marque. Et les Super Strikers prennent l'avantage à quelques minutes du coup de sifflet final. Pas mal, El Matador. Mais rappelle-toi, le prochain coup franc est pour moi. Pas de soucis, Shakes. Y'a pas de problème. Quel formidable coup franc d'El Matador. De quoi entretenir un bon moral avant d'affronter l'Invincible United, dont le double mur est parvenu à repousser la totalité des coups francs. Oui, Elena, leur double mur est efficace, mais les Super Strikers ne s'appuient pas sur une stratégie unique. Oh, voyons, coach. Ne me dites pas que vous n'aimeriez pas que Shakes ou El Matador soient les premiers à transpercer ce double mur. Eh bien, j'ai en effet un nouveau gadget au centre d'entraînement secret. Nous devons absolument découvrir ce que les Super Strikers ont en tête. Scara, tu vas t'introduire dans le centre d'entraînement des Super Strikers ce soir et découvrir en quoi consiste exactement ce nouveau gadget. Mais Vince, les Super Strikers sont un centre d'entraînement entouré de 5 murs de métal. Ils se trouvent enterrés à plus de 30 mètres sous la surface. En plus, je ne vois pas comment El Matador et Shex pourraient trouver un moyen de contourner notre double mur sur les coups francs. Tu vois, nous sommes imbattables. Ne sous-estime jamais les Super Strikers. Ils sont capables de s'adapter à tout. C'est dans ce centre d'entraînement que se trouve la clé de notre succès. Mais c'est une forteresse, je vais me faire pendre. C'est à toi que je confie ce travail et c'est tout. Point final. Ingan, j'ai un travail important à te confier. Nous sommes en retard, mi amigo. Tu crois que le coach va le remarquer? Oh, je crois qu'il a remarqué. Venez, vous deux. Oh, nouvel équipement. C'est quoi ce bouton? Ne touchez à rien. C'est le bouton d'arrêt d'urgence. Je t'avais bien dit qu'il avait les yeux derrière la tête, mon frère. J'ai demandé au professeur de vous concocter un nouveau simulateur, à vous deux. C'est quoi cette machine qui a une drôle d'allure? Ah! Je crois pas que le système de sécurité fonctionne si bien que ça. C'était pas cool, ça, man. Appréciez le style Tiger. Dingan, qu'est-ce que tu fabriques ici? Dingan, tu es devenu sourd, man. Notre centre d'entraînement est hanté par le fantôme de Dingan. C'est le nouveau système de simulation holographique. Waouh, ça c'est fantastique. Waouh. Vous avez vu comme ses yeux vous suivent où que vous vous trouviez? Dites donc, vous autres, vous n'êtes pas censés vous entraîner. Cet hologramme t'a vraiment fichu la trouille, hein? Ah, je savais que c'était un faux. Le vrai Dingan doit être à des kilomètres d'ici. J'ai programmé cette simulation avec toutes les tactiques de défense du vrai Invincible United. Si vous arrivez à passer un coup franc face à ces hologrammes, vous pouvez en marquer un face au vrai United. Bonne chance. À mon tour. Il va falloir faire bien mieux que ça pour marquer. C'est ton tour. Ouais. Hein? Si ça ne marche pas la première fois... Ah!
T'inquiète pas trop, man. C'est juste une espèce de gadget. Et nous pouvons battre l'Invincible United sans toute cette technologie. Claire, quelle occasion manquée, Captain. Vu la façon dont Scar joue, tu sais qu'il y a au moins 98% de chances qu'on ait un coup franc demain. North a raison. Je te prends quand tu veux. Regarde bien. Cette fois-ci, il n'y aura pas de bruit désagréable, parce que je vais marquer. Ça fait vraiment un bruit désagréable. Vraiment, vraiment désagréable. Vraiment, vraiment, vraiment désagréable. Mais de quel bruit désagréable tu me parles exactement? Et me voilà coincé 30 mètres sous terre avec ce pitre. Les générateurs de secours doivent s'être mis en route. Rentrons vite à la maison. Et puis un cercle et une ligne. Et voilà comment on prévient les soucis inattendus avec les systèmes de sécurité. Il faut que je réponde. Allô? Comment ça va, coach? Vous avez rencontré un problème inattendu avec le système de sécurité? Comme c'est ennuyeux, le code de déverrouillage de sécurité? Mais bien sûr, c'est très facile, qu'est-ce que c'est déjà? Je prends le premier avion et j'arrive. Le cours est terminé. C'est tout ce que nous savons pour l'instant. Le centre d'entraînement secret des Superstrikeuses a rencontré des problèmes et se retrouve fermé pour des raisons de sécurité. Coach, des nouvelles des deux joueurs qui sont enfermés dedans? Le centre est complètement verrouillé. Nous n'avons aucune communication avec l'intérieur. Nous ne savons pas ce qui est arrivé à Shex et à El Matador. Oh, ça s'est vraiment très mal passé, mec. Qu'est-ce que tu as fait? Il y avait des câbles et des alarmes et des lumières qui clignotaient. Je pense qu'il y a eu une explosion, ou peut-être deux, ou trois. Ah. Vince ne va pas être content du tout, tu le sais. Chaud! Je tire la conclusion qu'il est totalement impossible de traverser la pièce. Non, sérieux? Mais peut-être qu'il existe une autre porte de sortie. Il y a peut-être un vide derrière un de ces murs, on pourrait creuser. Faut y faire. On est coincé ici. Il n'y a aucune chance pour qu'on puisse tromper ce système de sécurité. La meilleure chose à faire, c'est de continuer à nous entraîner au coup franc. Au cas où on sorte d'ici avant le match. Shakes, mi amigo, tu deviens loco. On ne sortira jamais d'ici à temps pour le match. Tu as une meilleure proposition à faire? C'est toi le responsable de ce qui est arrivé au centre d'entraînement des Superstrikers. En fait, c'était... De pur génie.
Enfermer les deux meilleurs attaquants des Super Strikers là-dedans, c'est du pur génie. Quoi? Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler de génie, mais c'est bien joué, c'est vrai. Ne sois pas si modeste. Maintenant, je ne vois pas comment on pourrait perdre. Aucune chance pour que le professeur rentre à temps pour libérer Shex et El Matador avant le match. Klaus et Lanky, vous allez prendre leur place sur la feuille de match. On ne vous décevra pas, coach. Accrochez-vous, Shex et El Matador. On est avec vous par la pensée. Quoi qu'il puisse se passer pendant que... Hein? C'est à ton tour. Non, je suis certain que c'est ton tour. On devrait peut-être faire une petite pause. Je suis pas fatigué, mais si tu as besoin de te reposer... Non, on continue de tirer. C'est juste que je proposais de faire une pause parce que tu me paraissais un peu fatigué. Oh. Aïe, aïe, aïe! Ces lasers sont impitoyables! Hé, hey, tu vois ce que je vois? Tu penses à la mort par laser? Non, on va servir du bouton pour sortir. Hé, hey, mais les lasers vont nous cuire comme des œufs! Ah, tu as raison, c'est bien mon tour! Bonne nuit, mon ami. J'espère que tu vas bien. Et j'espère que l'équipe parviendra à gagner sans toi demain. Jour de match à Strikerland. Quelle drôle de composition d'équipe nous avons là. Lanky et Klaus sont titulaires chez les Super Strikers. C'est vrai que ça fait bizarre de ne pas voir Shex et El Matador sur la feuille de match. Ayons une pensée émue pour ces deux pauvres garçons. Je vois ça comme l'échec ultime de la philosophie d'entraînement des Super Strikers. Mais vous ne trouvez pas que c'est leur centre d'entraînement secret qui aide les Super Strikers à rester compétitifs? Leur coach se repose trop sur toute cette technologie. Une bonne technique et une bonne condition physique, c'est ce qui a fait de l'Invincible United une grande équipe. Je ne vais pas vous mentir, ça va être le match le plus dur de votre vie. Et encore plus dur que... Oui. Et que... Oui. Et que... Oui. Ok. J'espère que nos deux copains font le maximum pour sortir de là. Dancing Rasta est en super forme aujourd'hui. Mais il doit quand même se demander comment les Super Strikers vont faire pour passer la défense de l'Invincible United sans ces vedettes que sont Shex et El Matador. Dancing Rasta fait une passe à Cool Joe. Qui repasse à Dancing Rasta? Les Super Strikers n'ont pas la moindre chance. C'est ce qu'on va voir, mec. Lanky doit regretter d'être à la place d'El Matador aujourd'hui. Scara fait une démonstration du jeu agressif pour lequel United est le spécialiste. On n'arrive même pas à s'approcher de leur but, bon sang. On dirait que Scara a décidé de ne pas partager le ballon. Waouh! Et le voilà qui file tout seul vers le but. Tu dois encore arriver à me battre, Scara. À la prochaine. Quoi? On s'est endormi. Mais je dormais pas. Faut qu'on se dépêche. On peut encore arriver à temps pour le match. Hier soir, on a essayé de battre ces lasers en puissance et en force. On devrait peut-être essayer avec de l'effet. De l'effet? Ouais, on prend le ballon avec l'extérieur du pied. Si on frappe assez fort et avec suffisamment d'effet, le ballon devrait partir à gauche, puis à droite. Passer les lasers? Quelle bonne idée! Je suis content qu'on y ait pensé. Ah!
Scara est en pleine forme aujourd'hui et efface North Shore au passage. Je te l'avais dit. Il est clair que l'invincible United domine le jeu à la mi-temps. Sans Shakes ni El Matador, quelles sont les chances des Super Strikers d'arriver à marquer? Enroule ton pied autour du ballon et mets-y de l'effet. Bien, coach. C'est ça! Ta technique marche vraiment. En frappant un tout petit peu plus fort, on peut toucher le bouton avec le ballon. Un ballon pour toi. Et un pour moi après que tu aies raté ton coup. J'aurais jamais cru ça possible. Il ne nous reste plus de ballon. Il ne nous reste qu'une seule chance d'atteindre ce bouton. De la deuxième mi-temps. Klaus et Lanky donnent tout ce qu'ils ont. Même pas la peine d'y penser. En plus, si tu arrives à me passer... La chance sourit à l'invincible United aujourd'hui. Peuvent-ils rendre les choses encore plus difficiles pour les Super Strikers? Un beau sauvetage. Mais si les Super Strikers ne parviennent pas à marquer face à l'invincible United, autant dire que le match est plié. Ces braves garçons n'abandonnent pas. Tu peux marquer, Lanky. Ouh, ça doit faire mal. Et ça donne un bon coup franc pour les Super Strikers. Voilà une chance pour les Strikers de marquer enfin. Et ils n'ont aucun de leurs spécialistes des coups francs sous la main. C'est leur capitaine qui décide de s'y coller. Il est le meilleur tireur de coups francs après Shakes et El Matador. Mais même ces derniers auraient du mal à passer une telle muraille. Man, il doit y avoir un moyen de passer ce mur. Qu'est-ce qui se passe? C'est Shakes et El Matador. Shakes, je sais que tu n'arrives jamais à l'heure, mais là, franchement, tu fais très bien. Mec, bienvenue chez toi. On a trouvé le défaut de la cuirasse, Captain. Je peux le faire. Ok, vas-y. C'est ton tour. Non, on est en situation de match, Shakes. Rappelle-toi, c'est moi qui ai marqué contre Hydra. En plus, je pense que tu as très légèrement plus de chances que moi de passer le double mur. Deux fois de suite. Voyons si j'y arrive. Égalise à la toute dernière minute. Incroyable. Ouais. Comment diable Shakes a-t-il fait ça? Je suis content de te revoir vivant, Shakes. Mec, vous avez pas fait des crises genre d'anxiété là-bas? Ou alors de claustrophobie? Tu sais, quand la solitude te rend genre dingue. Non, il y avait plein d'autres choses pour me rendre dingue. Oh, j'ai hâte de dire au coach comment tu as détruit tous les ballons du centre d'entraînement. Shakes, comment avez-vous trouvé la méthode pour tromper l'invincible United et son double mur? J'ai passé pas mal de temps à m'exercer à une bien plus féroce défense quand j'étais coincé au centre d'entraînement. C'est ta faute, tout ça! La prochaine fois, c'est toi que je chargerai de faire mon sale boulot! Shakes, je crois que l'hologramme de Dingan nous a suivis jusqu'ici. Tu crois que c'est possible? Tu vois, c'est la claustro-truc.